à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je sais que vous adorez ces vidéos-là. Moi aussi, j'aime beaucoup vous tourner ces vidéos-là. Il n'y a pas énormément de choses. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a des choses quand même. Voilà, donc je tenais à vous dire. Bon, c'est pas très important, mais j'ai changé de sac comme vous le savez. Et voilà, comme ça, ça vous fera un petit peu plus de vidéos produits terminés qu'avec mon gros sac. Voilà. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien, c'est une vidéo que j'adore tourner aussi. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, on va commencer par ceci. Donc, des lingettes Onyx. Voilà, ils sont. La dernière fois, je vous avais dit qu'ils étaient bien. La première fois que j'avais utilisé. Bon, ils sont bien, ils sont pas fifou, voilà. Les swatchs, ça les enlève pas terriblement. Le make-up, c'est pas terrible non plus. Mais si c'est pour des swatchs, pourquoi pas, voilà, c'est pas excessivement cher. Donc ça, c'est pas mes lingettes préférées. Du coup, ah, j'ai oublié de prendre mon sac. Donc je recule mon sac de mes produits favoris du mois. Voilà, je l'ai. Donc là, je ne vais pas vous dire mes favoris du mois. Enfin, je vais vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Et vous verrez dans la vidéo favoris ce que je mets. Parce que sinon, ça ne sera pas drôle pour vous. Vous saurez déjà tout ce que j'aurais mis en favoris. Ensuite, il y a les lingettes comme ceci de chez Nose à 0,45 centimes. J'en avais plus. J'ai été à Nose il y a quelques temps maintenant. J'en ai repris parce que franchement, 45 centimes, c'est pas excessif. Voilà, ils font leur job. C'est pas fifou, comme je dirais aujourd'hui. Mais ça fait le boulot. Voilà, là il y en avait 80 à l'intérieur. Oui, 80 cotons à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Pour 45 centimes, vous n'allez pas vous ruiner. Je suis en train de les utiliser en ce moment. Ils sont très bien. Donc voilà, je les ai mis dedans parce que... voilà, parce que tout simplement... tout simplement que j'ai terminé. Du coup, bah, je mets ça dedans. Voilà, même si j'ai pas terminé énormément. Donc le Tahiti, donc à la passion, donc j'avais dit que j'avais celui-là et les noirs. La dernière fois, j'avais terminé le noir. Et là, on a fini celui-là. Ceux-là, c'est mon papa qui les utilise. Moi, j'utilise de temps en temps, mais c'est plus mon papa qui les utilise. Ceux-là que moi, parce que moi, j'en ai plein d'autres. Et j'ai pas forcément les Tahiti. Il aime bien les Tahiti, donc voilà. C'est très bien pour le bain aussi. Ça mousse super bien, ça hydrate bien la peau. Mais pour le bain, ça mousse super bien si vous voulez vachement de mousse. Ça mousse très bien, ça sent très bon dans le bain. Donc voilà, petite anecdote. Donc je rachèterai, je vais les mettre dans mes favoris, mais je rachèterai, mais je rachète de temps en temps. Je vous ai dit que je ne disais pas si je mettais dans mes favoris ou pas. Ok. Ensuite, on a terminé avec mon copain un shampoing. Donc le shampoing Aloe Vera Juice, oui c'est marqué Juice, à la banane en 400 ml. On en avait marre, il en reste même un fond à l'intérieur, je peux voir un fond. Voilà, honnêtement, on avait marre, on en a mis une tonne à chaque fois. Pourquoi vous liez déjà dans mes produits terminés, sachant que j'ai tourné peut-être la vidéo du swap il y a 3 semaines, voilà. Ça fait, on l'a eu, c'est simple, on l'a eu dans la douche pendant... 15 jours à peu près, une semaine 15 jours parce qu'on se lavait les cheveux tous les 2 jours. On en a mis la tonne parce qu'on n'aimait pas du tout. L'odeur de banane, et ça a une bonne odeur de banane, mais sur les cheveux, mon dieu, tu sens vraiment la banane. Moi je faisais des après-shampoings à chaque fois parce que bon, ouais, pour atténuer l'odeur de la banane, sinon tu sentais trop la banane. Donc sur le coup, tu sentais bien bien la banane quand tu te lavais les cheveux. Sauf que l'odeur de banane ne restait pas dans les cheveux parce que mon copain ne faisait pas d'après-shampoing, il l'avait utilisé. Et malheureusement, ça ne restait pas dans les cheveux. Enfin, malheureusement et heureusement. Le petit tic comme ça, là, pas pratique du tout. Moi, j'ai fini simplement, j'ai ouvert le machin, j'ai fini comme ça. Hein, voilà, pas pratique, je ne rachèterai pas. Peut-être s'il y a une autre odeur que banane, je le prendrais. Mais banane, franchement, non. No way. Non. Je ne prendrais pas la banane. Voilà. De nouvelles, ça allait très bien. J'aimais bien la banane, mais pas trop non plus. Donc, voilà. Shampoing. Et en plus, je ne vous le conseille pas du tout. Parce que
Il est très gélatineux, très gluant, très... Enfin, la texture, moi, m'a pas plu. Mon chéri, l'a pas plu non plus. Donc ça, on rachèterait absolument pas. Mais en cadeau, c'était toujours sympa. Mais s'il y a une autre que banane, on prendra. Ensuite, on a ceci que je jette. Donc, on a carrément défoncé la boîte, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. C'était des paillettes, je m'en suis dégoûtée parce que je les avais achetées au moins 3-4 euros Action. J'ai jamais eu l'occasion de les tester. Et enfin, si, je les ai testées une fois et encore. Et du coup, en fait, ils se sont tous séchés. Donc, tout est sec. Le produit, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Il a presque tout disparu. Là, il s'est collé au bouchon. Voilà. Donc, ça, non, je ne vous conseille pas d'acheter ça parce que tu peux même pas garder ça autant que tu veux, donc pas terrible, honnêtement, c'est nul. Et ceux-là aussi, c'est pareil, ils ont collé, ils ont fondu. Alors moi, je voulais récupérer le pot, donc je vais peut-être pouvoir récupérer celui-là, mais pas l'autre. Mais honnêtement, non. En plus, regardez, il devait y avoir tellement de colle dedans que regardez, il devait y avoir... En fait, ça doit être à base de colle, hein, honnêtement. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Limite, ça fait un slide. C'est franchement pas terrible. Et en gros, avec ça, vous vous mettiez de la colle, quoi. Vous mettiez de la colle sur vous. Pas terrible. Donc voilà, donc je vais essayer de garder ce pot-là. Pourquoi pas pour mettre des papillons dessus. Je ne vais pas le fermer parce qu'on a mis... Je vous jure, on a mis au moins allez, 20 minutes à essayer de les ouvrir, ces trucs-là. C'était juste horrible. Ensuite, on a une bougie que j'ai testée. J'ai acheté ça dans le magasin tout à 2 euros. Je ne sais pas si ma copine Mathilde va passer par là. Mais si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un commentaire pour toi, donner ton avis. Moi, j'ai trouvé. C'était odeur vanille, hein, de base. Je l'ai utilisée jusque-là. Honnêtement, ça n'a pas senti la vanille du tout dans ma chambre. Ça a senti que dalle. Après, j'ai l'habitude de mes bougies persillées, donc que ça sent bien dans la chambre. Mais là, il n'y avait pas du tout d'odeur de vanille. J'ai même demandé à mon papa qui vient dans ma chambre. Mon papa m'a dit, ah ouais, non, ça sent pas du tout, ça sentait rien du tout. Je l'ai allumé jusque-là, histoire d'allumer une bougie, mais voilà. Ça, franchement, ces petites babioles-là, c'est juste histoire d'allumer. Voilà. J'ai pas le nom du produit. Ah voilà, de toute façon, c'est un nom anglais. Voilà, honnêtement, ces bougies-là, dans le magasin, si vous avez un magasin tout à 2 euros, si vous avez celui-là et un rose à côté, prenez pas ces trucs-là, voilà. Je vous mettrai peut-être le rose dans le swap que je ferai pour mes 100 abonnés. Mais honnêtement, si je le mets, je vous dirais, c'est vraiment, vraiment pour que vous le mettiez en décoration. Parce qu'il est rose, il est plutôt sympa. Mais vraiment en décoration, mais pas à faire fondre. Après, la rose, elle sent peut-être mieux. Hein, parce que c'est odeur fraise ou framboise, ou je sais plus. Et ça sentira peut-être mieux, mais celle-là, non. D'ailleurs, j'hésite aussi à la faire fondre parce que... L'autre, elle sent déjà plus fort que quand tu sens elle. Donc, je sais pas. On verra bien. Je testerai peut-être la rouge. Je dirai ce que ça en est. Mais ça, honnêtement, non, non, non et non. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que n'achetez pas des bougies. Enfin, n'achetez pas n'importe quoi comme bougie. Tenez, en bougie, deuxième bougie. Bon, après, là, j'ai vraiment mélangé parce que je voulais vous parler vraiment des bougies. Un bougie qui est très bien, c'est celle-ci, fleur de coton. Je vous en ai déjà parlé. Les bougies, c'est à base de cire de soja. Voilà, donc là, vous allez vraiment voir qu'elle est bien, bien terminée. Il en reste un peu au fond, mais c'est normal, ça doit faire comme les bougies party light. Comme les bougies party light, je pense. Ou c'est une sécurité pour pas que le pot explose, je pense. Et encore, parce que je ne sais pas trop, parce que il en reste sur les côtés et au milieu, il n'en reste pas. Donc au milieu, ça a dû bien fondre. J'espère que vous allez bien voir. Ça a dû bien fondre au milieu. Et ça n'a pas explosé, hein, c'est pas chou ni rien. Donc voilà. Ce petit truc-là, je vais le garder. Puisque en décoration, c'est toujours sympa. Et ça s'appelle les bougies de Kelly. Donc vous pouvez les retrouver sur Instagram. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ces petites bougies-là. Ah voilà, j'avais pris une bougie. Et j'avais pris une bougie et j'avais pris des petits fondants. Voilà, très bien. Les petits fondants, je ne les ai pas encore utilisés. J'en ai offert un. Voilà. Donc bougie de Kelly, franchement, j'y retournerai et je pense que je vais racheter la même fleur de coton. Ça fait un moment que j'ai dit je vais t'en acheter, mais à chaque fois que je veux lui acheter, bah niveau financier, c'est pas ça. Donc du coup, je pense que bah là, je vais la racheter, vu qu'il n'y en a plus.
Le mois prochain, j'essaierai de la racheter en premier, comme ça, hop, ce sera fait. Et voilà. Et en plus, elle a 95 grammes. Et elle doit coûter même 10 euros, 9, 4, non, 10 euros, 9,90. Un truc comme ça. Même pas 10 euros, je crois qu'elle coûte. Ou 15 euros, oh, je sais plus. Je crois que c'est même pas 10 euros. 15 euros, c'est les 200 grammes, je crois. Donc voilà. Donc ça, franchement, honnêtement, c'est très bien. Moi, j'adore. Je kiffe. Donc, plus de bougies. On va passer à un autre shampoing. Enfin, pas un shampoing, mais c'est crème de riz lait d'avoine. C'est un masque baume hydratant. Donc, pour les cheveux, honnêtement, celui-là, on me l'avait offert. Il y a même encore un cheveu là. C'est pas grave. On me l'avait offert, celui-là, de chez Garnier. On me l'avait offert ou je l'avais acheté? Je sais plus. Bon, c'est soit on me l'a offert, soit on me l'a acheté. Je sais jamais. Je reçois tellement de trucs que je sais jamais, du coup. Je crois que je l'avais acheté. Je sais plus, bref, on s'en fout. Honnêtement, je l'achèterai peut-être quand j'aurai fini une douche que j'ai à finir, parce que j'ai encore deux cocos à finir. Mais entre deux cocos, je pense que je le reprendrai peut-être, celui-là. C'est un 400 ml, non, 300 ml, il m'a duré assez longtemps quand même. Parce que j'en fais tous les jours ou tous les deux jours. Bon, là, j'ai un après-shampoing, donc je ne l'utilise pas. J'utilise l'après-shampoing, mais pas de masque. Et c'est trop bien. En plus, l'odeur, elle est plutôt sympathique. Je ne me suis pas lassée de l'odeur, donc ça, honnêtement. Je rachèterai bien évidemment. Alors ensuite on a un rouge à lèvres, enfin un rouge à lèvres, un gloss. Je sais pas si vous allez voir, je vous l'ai déjà montré. Ça se fout de moi ce truc. Ah non, oui. En fait, il est très liquide. Je pensais qu'il avait durci en fait. Ouais, regardez, il n'y a plus le trou. En fait, il est super liquide. Alors, donnez-moi des astuces, parce que moi, je suppose que si tu fais comme ça, il va sortir le produit. Ah non, il doit y avoir une sécurité, ça sort pas. Mais honnêtement, il est super liquide. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est liquide. Je sais pas si vous avez une astuce. Je vais le garder pour quand je mettrai cette vidéo. Si vous avez une astuce pour les gloss qui sont liquides, sachant que je suis dégoûtée, j'ai dû le tester une fois et là il est tout liquide. Je ne sais pas comment faire pour le rattraper. Donc voilà. Donc, je suis dégoûtée parce qu'en plus c'était Rose Lala Lune de Paris. Voilà, c'était quand même une belle marque. J'ai eu ça dans une box. Donc elle est liquide. Et en fait, j'en ai un autre, il n'est pas liquide du tout. Et j'ai eu le même jour. Donc assez bizarre. Et ensuite, on va passer au masque. Et c'est les dernières choses qu'il y a dedans. Voilà, les derniers produits qu'il y a dedans. Voilà, en ce moment, vous allez voir pas mal de masques parce que j'ai un gros paquet énorme comme ça de masques. Surtout de masques en tissu. Donc, j'aimerais bien les utiliser. Je vais les utiliser tout simplement parce que j'ai pas envie que ça périme. Et voilà. Donc là, on a une eau de parfum, donc Helio eau de toilette. Donc c'était cela. L'odeur, ça allait. En fait, quand vous sentez comme ça allait. Mais sur vous, sur moi, j'ai pas du tout aimé ce produit-là. Voilà. Ensuite, un masque. C'est que des masques, des nouveaux masques que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc celui-là, Body Depth. Je crois qu'on l'a à Maxi Bazar, je crois que vous pouvez le trouver là-bas. C'était Tiger Lighty Facial. Donc c'est Shooting and Beauty. Donc je sais pas à quoi c'était, mais c'était à ça. Enfin, le base c'était. Ça dit même pas si ça hydrate ou quoi. Il y en a un, je sais que c'est hydratant, parce qu'il y avait marqué hydratant. Et là, il n'y a pas marqué, il y a juste marqué enlever les masques, ne rincez pas, masser l'excédent de produits dans la peau. Voilà, c'est juste marqué ça. Je ne sais pas si c'est hydratant ou quoi. Voilà. Moi, bon, c'était plutôt pas mal. Par contre, il y avait beaucoup trop de produits. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais comme ça et hop, j'enlève le produit, un peu de produit. Voilà, plutôt bien. J'ai bien aimé. L'odeur, je ne sais plus si j'avais aimé. Si l'odeur, ça allait à peu près. Enfin, c'était pas ouf. Mais voilà, ça je rachèterai pas, voilà. Parce que l'odeur était pas fou. Enfin,
fallait rester 10 minutes, 10 à 15 minutes, voilà. C'était franchement pas oufissime. Ensuite, on avait ce produit-ci, un autre masque. J'avais pas du tout aimé l'odeur. Et pourtant, je l'ai eu à Glossy Box et ce truc-là était... en fait, vous savez, vous pouvez les noter et il y avait 60 centimes, donc c'était un bonus. Et donc, je l'ai noté, j'ai dit que j'aimais pas du tout. C'est Made in France, donc ça, c'est plutôt pas mal, un masque pour une fois, un masque Made in France. Pourquoi pas retester, mais une autre senteur, parce que là, c'était fleur d'oranger, masque noir. Le masque, il était noir. 0% de conservateur. Voilà, 0% de conservateur, j'ai gardé quand même pas mal de temps, hein. Ça se périmait le 27 juillet 2022, donc ça durait quand même plus de un an, quoi. Sachant qu'il n'y a pas de conservateur dedans, donc c'est plutôt pas mal. C'était à laisser 30 minutes, honnêtement, j'ai pas aimé l'odeur. Je rachèterai pas ce produit-là. S'il y a une autre odeur, pourquoi pas. Si on retrouve dans une box, pourquoi pas d'une autre odeur, pourquoi pas. Mais je sais que si j'aurai dans une box cette, ce masque-là, je vous le garderai parce que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, encore en masque, j'ai fait celui-là. Celui que j'ai eu dans l'enveloppe de CC Makeup. Oui, j'ai déjà testé un produit de l'enveloppe CC Makeup. Je l'ai reçu hier ou avant-hier, je crois. Et j'ai déjà utilisé un truc de CC Makeup. Donc ça, c'était celui aux zèbres. C'est un masque de chez Action que j'avais jamais pris. Honnêtement, le masque n'était pas très pratique à mettre sur le visage. C'était fun. Je pense que j'ai dû enlever trop de produits parce que vous savez, j'ai fait comme d'habitude, j'ai enlevé comme ça parce que souvent il y a beaucoup trop de produits. Et je pense que malheureusement, j'ai enlevé trop de produits. Donc le prochain, le chien, parce qu'elle m'a offert aussi le chien, j'enlèverai un peu d'excédent, mais pas trop non plus. Voilà, parce qu'au final, je pense que j'en avais trop enlevé, ça restait, ça collait pas à la peau. Mais je pense que c'était de ma faute, j'ai trop enlevé de produits, je pense. Donc voilà. Sinon, l'odeur, c'était pas ouf non plus. Je crois que j'aimais pas trop l'odeur. Non, j'avais pas aimé l'odeur. Pour vous dire, du coup, c'était laissé à 10-15 minutes. Je l'ai laissé que 10 minutes. Voilà. Parce que du coup, ça s'enlevait pas très... Enfin, l'odeur, déjà, j'arrive pas avec l'odeur. Donc voilà. Mais très sympa d'avoir pu tester ce produit-là. Et ensuite, un produit de chez L'Oréal. Ça, j'avais eu ça dans une enveloppe beauté avec Marianne. Donc, c'était L'Oréal Paris Elsève. Donc, crème sauveur de pointe. Donc, voilà, ça, j'avais fait. Ça, j'avais adoré l'odeur. Donc, franchement, honnêtement, je vous avais dit dans la vidéo avec CC Makeup que si je retrouverais ce produit-là, si j'aimais ce produit-là, je vais l'acheter. Et en fait, je vous le confirme, je vais acheter ce produit-là parce que, d'une part, ils sont divinement bons. Le packaging a l'air super pratique. Et mes pointes, honnêtement, je les fais... Il y a peut-être une semaine et encore même pas. Et regardez mes pointes. Je trouve que ça va. Ils sont moins fatigués que quand j'avais pas mis ce produit-là, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pensais que c'était un produit à rincer. Donc, s'il y a eu 5 jours où je devais me laver les cheveux. Du coup, bah, je me suis pas lavé les cheveux. Je me suis lavé les cheveux que le lendemain, du coup. Et en fait, c'est pas un rincier. C'est la crème sauveur de pointe protège vos cheveux de leur... deux principaux ennemis, la casse et les pointes fourchues. Sa formule reconstituant un cocktail de huile de ricin, vitamines et de kératine végétale. C'est les fourches et répare les longueurs, leur apporte de la brillance et facilite le coiffage. Elle vous aide à garder vos cheveux aussi longs que vous le souhaitez. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Un bon qualité prix. J'ai pas encore regardé le prix, je vous dis qualité prix, mais j'ai même pas encore regardé le prix. Ouais, je pense que ça doit être 10-20 balles, je pense, ce produit-là. Voilà, j'ai adoré. Je remercie Marianne de me l'avoir fait tester. En plus, elle m'en a mis un deuxième. Je suis trop contente, je vais pouvoir retester une deuxième fois. Voilà, mais honnêtement, je vais le prendre en grand format parce que j'ai adoré ce produit-là. Donc voilà, donc mes produits terminés sont maintenant terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous plaît aussi de faire des petites vidéos. Comme là, par exemple, il n'y avait pas énormément de produits, mais la vidéo va faire plus de 20 minutes. Donc voilà.
Donc vaut mieux faire les petits vidéos produits terminés, que ça dure pas énormément, que ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est pas franchement top. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo produit terminé vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, car au bout de 100 abonnés, je vous rappelle, je ferai un petit swap, hein, je ferai gagner un petit swap qui sera fait par moi-même. Donc voilà, donc j'espère que tout ça vous plaît. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas les commentaires. Allez, bisous, bisous.